Bonjour, je m'appelle Pape Sanir. Je viens de l'AS Saint-Priest. Je joue au poste d'attaquant. Ouais, bah après, c'est comme ça. Nous, les joueurs, hein, on ne reste pas sur place. On voyage de temps en temps. Et puis voilà, il y a des clubs et tout. Et ouais, j'ai fait pas mal de clubs. Bah après, ouais, pour moi, c'est une bonne ratio parce que l'année dernière, j'en ai mis 3 en je ne sais pas combien de matchs, beaucoup de matchs. Et puis voilà, cette année, j'ai fait une bonne prépa avec toute l'équipe. Sauf que l'année dernière, je n'avais pas fait de préparation et tout. Puis bon, là, je me sens physiquement et voilà, pour moi, c'est une bonne ratio. Bah, moi, j'aime bien décrocher de temps en temps et prendre la profondeur. Je fais les deux en même temps. Est-ce que tu es un modèle dans le foot? Ouais, Didier Drogba. Cette expérience m'a apporté, d'abord, ça m'a ouvert les portes de la Ligue 1. Parce que, il y avait le coach à l'UCC, qui est champion d'Afrique avec les Lions il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était une bonne expérience d'aller en sélection, de représenter son pays et puis voilà, de jouer avec pas mal de joueurs dans cette sélection comme Mané, Koulibaly, voilà, beaucoup de joueurs qui sont connus maintenant. Avec hier, ça s'est fait, je pense, il y a 3 semaines ou un mois, quand le coach m'a appelé. On a longuement discuté, voilà, il m'a expliqué son projet de jeu. Et puis voilà, moi, le projet m'a séduit et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Après, le courant s'est bien passé entre nous aussi et voilà, pour moi, ça compte beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a dit, qui t'a donné peut-être encore plus envie de venir? La confiance. Ouais, il m'a donné de la confiance et puis... voilà, dans ses paroles, j'ai senti quelqu'un de direct aussi, qui dit les choses comme elles sont. Et puis voilà, ça m'a séduit. Et pour moi, ça compte dans ce milieu du football. De la fraîcheur. Et marquer beaucoup plus de buts aussi. Et j'espère que les autres attaquants aussi ils sont en réussite parce que voilà, c'est une équipe, faut être solidaire et tout. Et puis voilà, si on y met tous, nous les attaquants, pour concrétiser toutes les occasions qu'on a. Et puis après, faut juste enchaîner des victoires, marquer des buts. Ouais, à l'aller, on a joué contre cette équipe. Après, ils ont de bons joueurs devant qui vont vite, surtout leur capitaine Larose, qui pour moi fait partie de l'un des meilleurs joueurs de la poule. Et puis voilà, c'est une équipe qu'il faudra prendre au sérieux parce que c'est une équipe costaud. Et puis voilà, ce sera un match difficile. Puis à nous de mettre les ingrédients pour remporter ce match. Mot de la fin, c'est que je suis heureux d'être là déjà. Et puis voilà, l'équipe m'a bien accueilli. Et puis voilà, faire une bonne deuxième partie de saison avec toute l'équipe et j'espère que ça le fera en tout cas.